Action! Hein? Oh, ah, tout a été si paisible dans les cinq mondes depuis une éternité. Est-ce si ça... nous possédons 12 000 joyaux. Où est-ce 14 000? Et à propos de ce Gunnastic Gunnort, je sais qu'il a découvert une formule magique pour transformer les pierres précieuses en guerriers. Laisse-moi te répondre. Gnastignok est une simple créature. Simple! Il est tenu à l'écart dans un autre monde et n'est plus un danger pour le royaume des dragons. Plus de danger! Et en plus, il est laid. Laid? C'en est trop! On dirait que j'ai du travail! Merci de m'avoir délivré, Spyro. Délivre 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le monde suivant. Gnastignork, c'est lui que je recherche. Retrouve les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. Lorsque tu libères un des dragons ou que tu te poses sur une de leurs plateformes, tu enregistres la progression. Cela peut être très utile si tu es en danger, mais cela ne risque pas de t'arriver, hein, Spyro? Surveille la libellule, Spyro. Sa couleur indique sa force. Il faut qu'elle mange des papillons pour rester forte, comme moi. Ah, ok. Oh mon ami, tu veux que je te donne un conseil? Bien sûr. Pour voler plus longtemps, appuie sur la touche croix au sommet d'un saut. Pour descendre en plein saut, appuie sur la touche triangle.
après avoir délivré tous les dragons, passe dans cette sorte de tourbillon. Tu retourneras dans le monde des artisans. Mais d'abord, je vais te raconter une histoire. Non merci, salut. Recommence! Tu trouveras le chef des artisans en passant par la porte derrière moi. Tu peux l'affronter tout de suite si tu te sens prêt. Stignork a nommé l'un de ses plus ignobles fidèles à la tête du monde des artisans. Amène-le-moi, je vais en faire un barbecue. Sois prudent, Spiro, il a plus d'un tour dans son sac. Nastignork, je vais le pulvériser! Pas si vite, Spiro! Tu as beaucoup à apprendre! Sais-tu à quoi sert la libellule qui te suit partout? Elle s'appelle Étincelle. Elle t'aide et te protège. Surveille-la et tu comprendras ce que je veux dire. Mais c'est Spiro! Rappelle-toi des leçons de vol! Appuie deux fois sur la touche de saut et n'aie pas peur! Peur? De quoi? De tomber du haut des montagnes ou de dégringoler dans des glaciers préhistoriques! Oh, je vois!